tous les mois c'est pareil, faut que tu te responsabilises maintenant. Non mais promis, demain je vous les rends vraiment. Et comment tu vas nous rendre 1500 euros en 24 heures? T'as pas bossé depuis 5 ans. Vous êtes vraiment pas sympa. Déjà vous voulez même plus qu'on regarde les tuches ensemble, et maintenant vous voulez même plus me prêter d'argent. On prête pas d'argent parce que tu nous le rends pas. Je suis désolé mais tu vas devoir trouver un travail, Hugo. Ah non, ça jamais. De toute façon, t'as pas le choix mon vieux, hein. Et c'est ainsi que le créateur de mode John Galliano se constitua à 30 ans un empire estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. 30 ans ? Il va créer... Voilà, c'est ça ce que je vais faire ! Je vais me lancer dans la mode et comme ça, bim ! À moi les millions ! Arrête comment t'habiller. Mais n'importe quoi, arrêtez les gars. La mode c'est facile, faut juste s'habiller un peu n'importe comment et se comporter comme un gros connard, c'est tout. Tu racontes n'importe quoi. Tu veux pas trouver un boulot qui correspond à ton profil ? Genre un métier sans compétences ? Ouais, genre testeur de produits pharmaceutiques. C'est bien ça, testeur de produits pharmaceutiques. Vous avez devant vous le futur Karl Lagerfeld et vous lui déconseillez de se lancer dans la mode? Si vous étiez les parents de Lionel Messi, je suis sûr que vous l'auriez inscrit dans un club de ping-pong. Mais quand je serai devenu une méga star multimillionnaire, faudra pas venir chialer pour ramasser mes miettes. Mais qu'est-ce que tu fais bien comme ça? Et surtout, pourquoi t'es en slip? C'est pas un slip, c'est ma première création. Le short du bas. Personne va acheter ça, Hugo, je te le dis. Ah ouais? Tu crois ça? C'est bizarre parce que je viens de poster une photo de mon style sur Instagram et j'ai déjà plusieurs centaines de likes. Je crois que je plais sur la toile. Arrête tes conneries, c'est les mecs qui se foutent de ta gueule. Sympa d'avoir confiance en moi. Elle est belle, l'amitié. Allez, je vous laisse les merdes. Je vais à la Fashion Week. Alors, qui est-ce qui vient d'avoir un article dans Vogue US et qui vient de vendre sa première création à une marque japonaise super tendance? Je sais pas, Jean-Paul Gaultier? Non. Hugo de la Vega, la nouvelle star des créateurs de mode. Oui, j'ai un petit nom de créateur, je sais. C'est ça. Et sinon, t'en as vendu combien de tes shorts de pédophile? Ah, vous me croyez pas. Bah vous savez quoi, j'ai même un assistant personnel. Et comme tous les plus grands créateurs de mode, je le maltraite. Ah ouais, il s'appelle comment ton ami imaginaire? Ah, vous le prenez comme ça. Et bah après, faudra pas venir me lécher les bottes pour avoir les parts dans ma boîte, hein? Allez, bye bye les bouseux. En début de soirée se tenait le défilé Dolce & Gabbana, où nous avons pu interviewer Hugo de la Vega. Pouvez-vous juste nous confirmer la rumeur comme quoi vous avez vendu votre création, le short du bas, pour 250 000 euros? Parler d'argent, c'est pour les pauvres. J'aime pas ça. Mais oui, la rumeur est vraie. Allez, ciao les clochards. Merci, monsieur Hugo, merci. Hugo, on est vraiment désolé de pas t'avoir cru tout à l'heure, mais... Voilà, on voulait dire qu'on est vraiment des cons. Et puis si tu veux qu'on investisse dans ta boîte, bah sache que j'ai 200 euros sur mon PEL. Alfred, éventail. Éventail, Alfred. Dites-leur que je ne suis pas intéressé. Monsieur Hugo m'a fait savoir qu'il n'était pas intéressé par votre proposition. Sérieusement, Hugo, tu veux pas aller jouer comme ça avec nous? Alfred, ça pue la merde par ici. Faites ma valise, nous irons dormir au Georges V ce soir. Et dépêchez-vous un peu. Oui, très bien, monsieur. Monsieur Hugo me stipule que vous puiez les excréments et qu'il ne souhaite pas rester dans ce taudis. Bien cordialement. Non mais Hugo! Insulte-nous au moins! Si le gros gland peut y arriver, nous aussi. Ouais, en plus, notre chaussette de nez, eh ben, c'est quand même vachement mieux que son short du bas. Carrément. Tu prends la photo. C'est la pire création que j'ai vue depuis les claquettes de chaussettes. Haha, ces mecs sont à la mode, ce que Gérard Depardieu est au fitness. Putain, on prend tellement lourd. C'est clair, j'ai l'impression d'être Amandine du 38. Regarde, y'a Hugo qui a commenté. Ces deux garçons ont l'air d'aimer la mode, mais ce qui est sûr, c'est que la mode, elle, ne les aime pas. Oh le bâtard. En plus, son com a été liké 19 000 fois en moins de 7 minutes. Mais ma mère a liké. Ah ouais, il veut nous pourrir? Il va voir ce qu'il va voir. J'ai trouvé une photo de lui, là. Hop, c'est posté. Maintenant, tu vas nous réclamer de la thune en rampant, sale connard. Monsieur Hugo tenait à vous dire que ce qui devait être à la base une simple nuit à l'hôtel se transforme sur le champ en un déménagement définitif. Alfred, vous prendrez uniquement ma garde-robe. Le reste n'a strictement aucune importance. Non mais Hugo, tu peux pas mettre fin à 50 colocs juste comme ça. Alfred, vous direz à ces messieurs qu'ils m'ont planté un poignard dans le cœur et que malgré leur tentative de faire tomber de son piédestal le petit prince de la mode et le principe de la mode, le phénix renaît toujours de ses cendres. Monsieur Hugo me dit que... Ta gueule, Alfred! Très bien, messieurs. Hugo, nous, on veut juste que tout redevienne comme avant, c'est tout. La seule fois où j'ai voulu prendre mon envol, vous avez tenté de me briser les ailes. Je suis désolé. C'est trop tard. Mais c'est nous qui sommes désolés, on a agi comme des cons, on aurait dû être contents pour ta réussite et pas essayer de te plomber. Ouais, on est désolé, on était juste jaloux et tu prends la mouche super vite maintenant que t'es le roi du slip. Fais pas le con, reviens s'il te plaît. Et si tu reviens, on pourrait regarder les tuches. Je suis désolé les gars, en fait c'est le boulot, je suis un petit peu à cran, je crois que je suis pas fait pour travailler. Tu nous pardonnes? Bien sûr. Je suis vraiment désolé avec toutes ces histoires de slip, ça m'est un peu monté au cerveau. Mais voilà, promis, j'arrête le travail, c'est décidé. Je suis trop content que tu sois revenu avec nous. Oh pardon Alfred, je t'avais oublié, mais t'inquiète pas, tu restes avec nous. Et tiens voilà, je te fais un petit chèque de 10 000 euros et comme ça tu vas nous chercher des panini choco-noisette, ça te va? Plus bas.
Ah, pardon, Alfred. Pour 30 000 euros de plus, est-ce que tu veux bien me gratter les fesses? Bien sûr, monsieur. Yes. Yo, on espère que t'as kiffé cette vidéo. Si tu veux voir comment Hugo a inventé le short du bas, mettre le making of en cliquant ici. N'hésite pas à nous dire en commentaire quel vêtement débile t'aurais bien inventé. Les deux meilleurs gagneront des chaussettes données. Non, je sais, pas la peine de nous remercier. Allez, à la semaine prochaine.